mais j'ai bien aimé. En plus, il y avait presque Ravmanini aussi. Donc, ça ressemble un Je petit peu pense pas aussi que à ce ça. soit lié. Je pense pas que ce soit lié. A priori, c'est pas lié. On On va peut voir, mais essayer de bien, tester pour on va refaire. Ravmanini. Non, pas pour l'instant. Je pense pas que les Fianu Dati, c'est pas lié, donc j'ai pas envie d'embrayer la choucroute. Tu m'excuseras, je pense que c'est pas lié. Le Shita Mekoubetset, chez Loïcite Gadam, chez Koreba Torah. Matana Balelamdenu. Vous voyez, vous avez une feuille? T'as pas de feuille? Pourquoi t'as pas reçu de feuille? Il n'était pas là pour trouver ce. Il était pas là? Il était là? Bon, puisque tu l'as balancé, donne ta feuille. Ouais? T'as une feuille, toi, Samuel? Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Comment il va faire le pauvre? Alors, assieds-toi à côté d'un juif. Mais si, on peut faire un deux. Ah, d'accord. Elle est où sa feuille, David? Prends le casier judiciaire de David. Un casier derrière la tête. Quelle destinée tragique. Il y a beaucoup de feuilles. Ouais, il fait collection. Allez, on attaque. Tioufta de Rav Hisda. Alors, elle est intéressante. C'est qui? Marco, c'est qui la Shita Mekoubetset sur Brachot? Zakoubaou. Shita Mekoubetset dans tout le chasse, c'est le Rav Betzalel Ashkenazi, maître du Harizal, qui a fait un compilé de Rishonim. Dans Brachot, c'est mot à mot le Ridvan. Du Harizal. Non, c'est la fin des Rishonim. Ben regarde, quand est-ce que s'arrêtent les Rishonim? Quand est-ce que s'arrêtent les Rishonim? C'est à partir du Shulchan Aharonim. Il était contemporain du Shulchan Aruch, le Harizal. Donc son maître, c'est le dernier des Rishonim. Aussi, ça, ça, Comment? ça aussi des vrais... Non, c'est bien avant le Ridva. C'est au moins 100 ans avant. C'est pas plus. Et donc, pourquoi la Shita Mekoubetset sur Bracha, c'est le Ridva? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu compares les deux livres, c'est mot à mot la même chose. D'accord? Donc, d'ailleurs, dans certaines éditions du Ritva, hein, il n'y a pas sur Brachot. Et dans d'autres, il y a sur Brachot, c'est le comporte. Donc, je ne sais pas c'est qui, mais ça ressemble au Ritva en tout cas. Pourquoi? D'où je sais que c'est le Ritva? Parce que dans certaines éditions du Ritva, il y a l'alachot du Ritva sur Brachot, et ça correspond à ce pirouche-là. Bon, Bekitsou. Tout ça pour savoir que quand je dis Shita Mekoubetset ici, ce n'est pas le Rav Betzalel Ashkenazi, c'est le Ritva. Donc c'est un Rishon, on va dire, plus ancien et sur lequel on peut plus facilement s'appuyer. Tioufta de Rav Hisda, lui, il s'intéresse à la première version des faits. Donc d'après Rav Hisda, ouais, lui, il explique que il a perdu même les brachot. Donc d'après la lecture de Jérémie, on dit l'Oefsid. Il n'a pas perdu comme. Il a pas perdu. Il n'est pas comme quelqu'un qui lit la Torah, donc ce serait uniquement il a tout perdu. Donc, d'après Rav Hisda, comment on lit cette phrase-là? Parce que lui, il ne fait pas les brachot non plus, donc il a tout perdu. D'après Rav Hisda, il a tout perdu. En Mazel lo hefsid. Il y en a juste une qui fait bras ou c'est les trois qui fait bras? Ouais. Alors d'après la question du Ridvan, on voit qu'il ne fait aucune bracha. C'est Yotzeror Verhoulé. Il n'y a pas de question, sinon on va voir la question de Ridvan. Ve'im Tomar ou les Svara des Rav Hisda. Maïka Mashmalan Matnitin. Chez Loïfsid, qui Adam chez Koré Batora. Chez Edavar Pachout ou? C'est ça que je vais t'expliquer. Il est très important, ce Ritva. C'est-à-dire qu'on voit du Ritva que la deuxième version des faits, pour lui, c'est lecture de la Mishnah. C'est-à-dire qu'on a une Mishnah qui me dit, à partir de là, il n'a pas perdu, il est comme quelqu'un qui a lu la Torah. Un juif normal, quand il lit ça, il dit, mais c'est quoi le Chidouche? Bien sûr, quand il lit le Kriyat Shema, faut que tu me dises un certain Chidouche pour qu'on rajoute cette phrase-là. Alors, Bishlama, d'après la deuxième version des faits, d'après Loïc Adamré. Non, c'est pour m'apprendre qu'il n'a pas tout perdu, il a quand même les brachot. Mais d'après la première version des faits, d'après le premier Afrizin, qu'il a perdu la même les brachot. Asmazel ou Ifsid d'accord. Tu peux interpréter.
les mots en plus de la Mishnah pour m'apprendre quoi? Il a tout perdu, le mec. Donc, tu vois encore de Sridva, Jérémy, donc c'est une lecture de la Mishnah, on dit Brachot. C'est une lecture. On a un problème de lecture. Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, cette Mishnah-là? Ma réponse, ça m'apprend qu'il n'a pas tout perdu, mais il a quand même le Brachot. Sur ça, il demande le Ridva. J'ai grâce au Ikadamré une lecture des mots de la Mishnah, mais avec Rafrisa, je n'ai pas de lecture. Ouais, avec la première version de Rafrisa, je n'ai pas de lecture, parce qu'il a perdu même les Brachot. Donc, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, le Tana? Voilà. Non, on l'a détruit parce qu'il y a une Braïta. Non, encore une fois, Rafrisa sait lire une Mishnah. Maintenant, on rapporte une Mishnah, une Braïta qui s'oppose à sa lecture. C'est-à-dire, lui, maintenant, on sait, ce que demande le Ritva, c'est comment il lit la Mishnah, justement. On n'a pas de doute que Rafrisa sait lire. D'après les deux versions dans la Gemara, Rafrisa ne connaissait pas la Braïta. Une fois, il a dit l'inverse, une fois, il a dit comme elle. Mais quand il a dit qu'il a perdu même les brachot, donc demande le Ritva, comment il lit la Mishnah? Comment il a lit la Mishnah? Il n'a pas tout perdu, mais il ne devra pas faire les brachot. Et alors demande le Ritva, qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Bishlama, d'après la deuxième version, il n'a pas perdu les brachot. Mais d'après la première version, qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Il a tout perdu, le mec. Yeshomrim, des kamashmalan, d'afalgav, des pachas. Ouais. C'est un vrai pacha dans son lit. Velokara be'onata, il n'a pas lu le Kriyat Shema en son temps. Lo chashiv kemaskir avon, shekore shelo be'onata, et la reu kekore batora. Il dit le Ritva, je vous dis d'abord l'idée, après je vais vous faire dans les mots. Il dit on aurait pu croire, non, ne lis pas le Kriyat Shema. C'est maskir avonotecha, arishonim. C'est comme on dit. Le Kohen Gadol, il ne faut pas qu'il soit habillé de. Il est son vêtement en or dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, ça rappelle la faute du veau d'or. Tu n'as pas fait le Kriyat Shema, étudie autre chose, s'il te plaît. Fais-moi plaisir, étudie autre chose. C'est maintenant que tu lis le Kriyat Shema, abruti. C'est pas l'heure. La Torah, elle est grande. Après l'heure, ne lis plus le Kriyat Shema, s'il te plaît, ne lis plus le Kriyat Shema parce que c'est ridicule. Non, non, tu peux encore le lire. Ce n'est pas devenu le sujet tabou. Tu veux lire après? Tu peux lire après? Ouais, tu peux. Atalom Afsid, on ne va pas te déconseiller de lire. Tu as le droit de lire comme une autre paracha de la Torah, tu as le droit de lire le Kriyat Shema. Au même titre qu'une autre paracha de la Torah, tu as le droit de lire le Kriyat Shema. Et on ne va pas dire abruti, tu n'as pas vu l'heure? C'est maintenant que tu lis ça? Donc, c'est-à-dire que d'après le Ritva, la Vamina du Tana, si on avait mis uniquement Rabbi Yoshua Omer Ad Shalosh Haot, si on avait mis uniquement dans la Mishnah Rabbi Yoshua Omer Ad Shalosh Haot Sheken Derer Vne Melarim La Hamod Be Shalosh Haot, on aurait dit, ah, après ça, j'ai plus le droit de lire le Kriyat Shema, parce que ça rappelle ma négligence de mon devoir. Donc, ne lis pas le Kriyat Shema après. Pas uniquement, tu n'as plus le devoir. Ne le lis pas après. Autre chose, étudie autre chose. Vient le Tana, dit non, 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 ça reste une paracha de la Torah, on vient pas la diaboliser, on vient pas l'occulter, on vient pas la. Comprenez ce qu'il dit Ritva ou pas? C'est pas un très grand ridouche. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce Ritva, hein, ouais, c'est comment il est mitéchès à la Mishnah, comment il lit une Mishnah. Ouais. Donc on voit d'après le Ritva que lui, quand il dit l'Oifsid Kadam Akore Batora, première question, c'est pas shoot, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est pas shoot que la parachat Kriyat Shema, ça fait partie de la Torah, et quand je le lis, ben j'ai le sroud du Limoud Torah. Donc si c'est pas shoot, par définition, ça sous-entend un enseignement. Si c'est pas shoot, par définition, ça sous-entend un enseignement. Ça arrive fréquemment, vous qui étudiez avec moi depuis des années, on en a fait des Mishnayot et des Gemarot. Dans les Mishnayot, on voit des fois des enseignements qu'on apprend de manière détournée. Quand des fois on te dit quelque chose de pashut, on dit pshita, maika mashmalan, on t'apprend un truc, c'est pas évident d'y arriver, mais le Tana nous l'a sous-entendu. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc ça, c'est la manière d'aborder la Mishnah, d'après le Ritva.
Si on te dit un truc pas chouette, c'est que ça doit forcément sous-entendre un certain enseignement. Alors, l'enseignement que ça vient sous-entendre d'après le Ikadé Amré, c'est que je n'ai pas tout perdu, je peux encore faire les brachot. D'après le Rav Rizda du premier, de la première version, qu'on ne peut pas, même pas faire les brachot. Donc, je réponds au passage à la question de Jonathan. Est-ce que Yotzeror, c'est que Yotzeror ou les trois brachot? Je dis obligé de dire les trois brachot. Parce que s'il a perdu que Yotzeror, on aurait dit bah, le Ritvel n'a pas de question. L'Oefsid, Avatolam, Vegal Israël. Il peut encore les dire. Donc, quand il dit Yotzeror d'après le Ritva, c'est Verhoulé. Toutes les brachot du Kret Shema, l'Oefsid. Et d'après Rafriza, toutes les brachot, il a perdu. D'accord? Ça, c'est l'explication du Ritva. Et même que Rafrizda, ce n'est pas l'alacha, même que le premier Lachon, ce n'est pas l'alacha, comme le premier Lachon, je vous ai rapporté le Ritva pour voir comment il lit la Mishnah. Il y a un enseignement, puisque ce n'est pas chout, il y a un enseignement sous-entendu. Puisque de dire que quand tu lis le Kriyat Shema après l'heure, tu sais comme si tu lisais de la Torah, ce n'est pas chout, c'est pour m'apprendre un enseignement sous-entendu. C'est pour ça qu'il est important à mes yeux ce Ritva. Il nous apprend à lire une Mishnah. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jonathan? Je ne sais pas, c'est massacré aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Très bien. Je suis assez massacré, je suis quitte. Donc, Rabbeinu Yona, Yesh Lishol, Ma Bale Hashmoeinu. C'est-à-dire, je vous explique la question de Nathan. D'après le Ritva, qu'on voit que c'est toutes les brachot, on ne comprend pas pourquoi il a mis Yotzer Or. Et j'ai répondu, c'est le derrière de certaines marottes, pas de toutes, de faire l'avdavka. Les yotzeros, c'est les brachot. C'est une façon de dire les brachot, de rouler. Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication de certains commentateurs qui pourraient dire d'avka yotzeror, t'aurais perdu d'après lui, mais pas les autres? Peut-être, mais ça ne rentre pas dans le ritva. C'est tout, c'est ce que je veux dire. Mais ce n'est pas gênant de dire l'avdavka, ça arrive. Hein? Pour dire les brachot. Si tu avais dit maintenant, Bilvat chez Loyomar, Gal Israël, là tu ne peux pas dire l'Avdavka. Tu as sauté Yotzer Or. Si tu dis tu n'as pas le droit de dire Gal Israël, tu ne peux pas dire l'Avdavka. C'est vrai d'Avka. Quand tu dis Bilvat, tu ne peux pas dire la première, alors c'est peut-être la première et les autres. Mais quand tu dis tu ne peux pas dire la dernière, tu peux pas dire pourquoi tu parles de la dernière? Le l'Avdavka, il est possible que quand tu parles de la première, peut-être la première va rouler. Yesh Lishol, il dit le Rabbeinu Yona. C'est pas lui qui parle en vérité, hein. C'est pas Rabbeinu qui parle. Il ne parle pas beaucoup. Lui, quand il parle de Tshuva. C'est Talmidé des Rabbeinu Yona. Il rapporte leur maître. Yesh Lishol, il avait fait des super shurim sur Brachot, Rav et tout, il peut être Messakem, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps. Faites-vous le Sikoum. Hein? Voilà, j'aimerais avoir des Talmidi comme ça, j'ai plus besoin d'être Messakem, c'est vous qui le faites. Viesh Lishol, ma balash moenu, chez l'Oifsid, qui Adam chez Koré Batora. Vézé d'avoir pas choutou. Donc la même question que le Ritva. Vétiret, Sarav, Rabbi Shlomo, Minahar. C'est un des balais Tosfot. C'est où il habitait? Là-haut, dans la montagne. Ouais. De Atalash moenan. Shafalpi, Shedvarim, Shedbirtav, Lonitnu, Leomran, Alpe, Veshar, Pesukim, Eno, Yachol, Likro, Afilou, Achi, Kreat, Shema, Yachol, Likro, Ta, Alpe. Normalement, j'adore cette halakha parce que j'ai aucune mémoire, quand tu dois dire des Psukim, tu dois le dire dans le texte. Nagid, je vais vous expliquer la parachat Shmini. Et comme j'ai préparé. J'ai fait un shiur sur Parashat Shmini. Hein, et j'ai préparé pendant de nombreuses heures. Donc, il y a certains psukim que je connais par cœur. Alors, je vais me la jouer. Puis voilà, il écrit. Nanana. Tu prends le chumash, tu lis. C'est une mara. Le kartifsak bashoukhan arour. On a conservé la moitié de la gemara. La gemara, elle dit deux enseignements. De là, je crois que c'est dans Gittin. La même manière qu'on n'a pas le droit de dire par cœur les textes écrits. Donc, ce qu'on appelle le Tanakh, on n'a pas le droit d'écrire les enseignements oraux.
la Mishnah, la Gemara, on n'a pas le droit d'écrire. Ça doit rester oral. Et sur ça, la Gemara dit Et la sotte, la chem, et ferou, toratecha. Ça passe où dans Tehilim? Pour dire, il n'y avait pas le choix, on était en train d'oublier la loi orale, on a dû l'écrire. Mais on a transgressé un issou. Non, la loi orale doit rester orale. Pour un contact d'élève au Rav. Et c'est pour ça que je vous explique à de nombreuses reprises, on a un exemple devant nous avec cette Mishnah, que la Mishnah, elle est ambiguë. Comme ça, elle reste orale. Même écrite, elle reste orale. Là, les brachot, c'est écrit la Mishnah. Misha, Shakwanim, Nirnasim, Yachol, Betroya. Tu peux me dire, mais c'était Koravim ? Non, c'est pas le Lamed et Zé. À quoi elle joue la Mishnah ? Des fois, la Mishnah, elle m'enseigne un truc. Il faut vraiment être un avis pour comprendre, comme pour arriver à la conclusion qu'elle veut qu'on y arrive. Parce qu'elle veut, elle veut neutraliser ce qu'on appelle les balais Mishnah. Ils sont mévalés au lame. Balais Mishnah, ceux qui connaissent la Mishnah, ils ne vont pas au Beit HaMidrash. Quand ils étaient petits, ils ont appris les Mishnah et ça leur suffit. Ils arrivent à faire plein d'erreurs d'Alaha. Déjà, ils ne comprennent pas certaines Mishnah. Et même s'ils comprennent la Mishnah des fois, parce qu'elle n'est pas trop ambiguë, il y a des contradictions entre les Mishnah. Il faut bien savoir qu'on ne connaît pas, là c'est comme Rabbi Uda, là, c'est comme ils ont l'air de parler ensemble. Rabbi Uda, Rahim, alors on est Ifra, ouais, des fois on a offert les Mishnayot, des fois on rajoute des mots, des fois Chasremisera, tous ces trucs-là, ouais. Chaser, Afour, ouais, Afour, Anna, toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas fait tout seul. On a besoin du Beit HaMidrash. Donc la loi orale, pour qu'elle reste orale, quand on a commencé à l'écrire, elle est illisible, halakha, à partir de la Mishnah. Très bien. Ça, c'est une première halakha que, je ne sais pas si vous connaissiez, en tout cas, c'est écrit. Et deuxième halakha qu'on apprend de cette même Gemara, c'est que tout ce qu'est la loi écrite, ouais, le Tanar, pas le droit. Pas le droit de faire par cœur. Mais Kriyat Shema. Quoi, on a besoin d'un Sefer Torah pour le Kriyat Shema? Chacun a une chanson de Sefer Torah? Parce que s'il faut que ce soit écrit, peut-être faut que ce soit dans un Sefer Torah aussi. Si c'est maintenant dans un Sidour, qui dit que ça s'appelle écrit, ça. Il n'y a pas les halakhot de Ktiva. Faut chacun un petit Sefer Torah pour faire le Kriyat Shema? On fait Akba, frère Emet. On dit Emet, on fait Akba, chacun son petit Sefer Torah. Ça fait manif un peu. Hein? Alors sur ça, le Rabbi Nona, rapporté par ses élèves, nous dit que non, Kriyat Shema Yachol Ikrota Alpe, Afalpi Sheno Kureota Leshem Chova. J'aurais pu dire tout ce qu'on m'a permis de dire le Kriyat Shema en dehors d'un livre, c'est pour accomplir mon devoir, parce qu'elle est libre, la Torah m'a imposé de lire le Kriyat Shema. Elle ne peut pas m'imposer d'avoir un Sefer Torah tout le temps sur moi. Donc j'aurai le droit pour accomplir ma mitzvah de Kriyat Shema. Hein, je pourrais le faire sans livre. Ce n'est pas pour étudier que je le fais. C'est pour faire mon devoir de Kriyat Shema. Mais dès que j'ai plus de mitzvah de Kriyat Shema, parce qu'on est après la troisième heure, mais quand j'ai plus de mitzvah de Kriyat Shema, j'ai perdu ma mitzvah de Kriyat Shema. Il me reste juste quoi, l'imout Torah. Mais l'imout Torah, on ne le fait que dans le livre. On n'a pas le droit de lire des psukim en dehors du livre. On n'a pas le droit de lire des psukim. Be'al peh. Donc, puisque ce texte-là, il est sorti de la liste des halachot, l'halachot nous apprend, on n'a pas le droit de dire la Torah Be'alpe. On avait fait ce sujet-là, vous vous rappelez pas? Tu ne te rappelles pas, Junior? On a fait une feuille sur ça. Tous les ta'amim, pourquoi on n'a pas le droit de dire des psukim Be'alpe? Vous vous rappelez pas? On a fait une feuille sur ça quand j'étais jeune. Il y a une barbe un peu moins blanche. On a fait un sujet sur ça, que tous les taramim, pourquoi la main de mettre la main. Mais comme maintenant c'est une paracha qu'on a l'obligation de dire, pas Mishum Limut Torah, Mishum Mitzvah, elle sort des halakhot. Même quand tu n'es plus dans la mitzvah de Kriyat Shema, tu peux encore dire la balpé. Si par exemple la raison de dire les parachiotes uniquement dans le texte, c'est pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper. Alors, c'est un truc que tu tues les jours, et alors l'autre que tu as le droit de le dire, même quand ce n'est pas pour accomplir la mitzvah.
La Torah, on sait qu'on a, on a une mitzvah de faire très attention de ne pas la perdre, de ne pas rajouter des mots, de ne pas enlever des mots. Il y a un combat, ouais, c'est faire Torah pas soul, etc. Tout, c'est tout, c'est, on a un enjeu de protéger la Torah de toutes les erreurs que les siècles imposent au texte, quel qu'il soit. Le scribe, les trucs, nanana. Donc maintenant, de la même manière, la Torah, c'est un texte qui s'étudie. Ne le fais pas, Baalpé, tu risques d'oublier un mot, d'oublier une lettre, d'oublier un truc. Mais les textes, de toute façon, on a le droit de dire. Parce que c'est mitzvah de le dire. Donc on le connaît sans le lire. Alors même quand on n'accomplit pas la mitzvah, c'est des textes qu'on a le droit de dire. Alors c'est fini. Ils ne sont pas concernés par cette halakha. Ils ne sont plus, même quand on n'accomplit pas la mitzvah de Kriyat Shema, je peux dire par cœur le Kriyat Shema, je n'ai pas besoin de sortir un Sefer Torah pour le dire. C'est clair, Léon, ce qu'on dit ou pas? Je ne sais pas, on apprend ça des psukim, c'est une bonne chose là. Ça n'a pas l'air d'être des rabananes parce que quand on vient permettre, par exemple, d'écrire la loi orale, on dit on a transgressé un issour, ouais. Et on apprend ça d'un verset. Les chachamim, ils n'ont pas eu le choix de faire une entorse au règlement. Machmak, c'est d'oraita. Machmak, c'est d'oraita. Peut-être vous voilà, ressort la feuille de ce truc-là, de cet halakha. Hein? Ah, j'adore ça, moi. C'est pas faire Baalpé. Voilà, on n'a pas fini le Rabbeinu Yona. Demain, on finira le Rabbeinu Yona. Et nous, c'est qu'on aurait pu penser que ce n'est pas l'étude de la Torah qu'on a pas le droit de le faire par cœur. Franchement, là, donc, il rentre dans les mots qu'Adam a Koreba Torah. Quand tu continues à faire Kriyat Shema comme avant la fin de l'heure, donc Baalpé, tu n'as pas perdu, tu n'as pas fait un issour. Ouais. De faire Baalpé, c'est comme si tu lisais ba Torah. C'est recherché, hein. Élie, tu as dit que c'était recherché quand même. C'est très poussé. Non, arrête. Laisse Rav Bani tranquille.